Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tard à l'heure où je vous prends. On est jeudi 2 janvier et il est 2 h du matin. Et là j'étais en train de dormir et je viens de voir qu'Ayoub est encore dans le bureau. Pourquoi t'es pas au lit? Elle était comme ça. Ah ouais, je suis KO là. On va dormir hein, ça va te reposer. Bah oui, mais toi aussi, il faudrait peut-être que t'ailles dormir. Ouais, je vais venir. Bon, je vous retrouve le lendemain. Là, il est 11 h 30. Détermination du matin, ça va être de partir laver ma voiture parce qu'elle en a vraiment besoin. Donc je vais faire ça, je vais passer un coup d'aspirateur, nettoyer, bon, ce qu'il y a à nettoyer, le tableau de bord, tout ça. Et puis bah écoutez, c'est parti pour cette journée. Let's go! Bon, je viens de remettre mon volant parce que comme je l'avais lavé, je viens de le remettre. Donc ça fait plaisir, ça y est, la voiture est propre là. Donc je vais partir faire un petit tour à Noz parce que je suis à côté et peut-être à Auchan. Voilà, voilà. Ça y est, je suis rentrée. J'ai l'impression qu'il est 18 h alors qu'il est même pas 13 h. Bref, donc j'ai mangé. Je suis partie faire un tour à Noz. J'ai rien trouvé de très particulier. Après, je suis partie à Action. J'ai pris donc ce set de manicure. Voilà, parce que j'en voulais un. En fait, je voulais plus le petit truc. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous savez, pour enlever les cuticules. Et vu que j'en avais pas, voilà, c'était ça que je voulais. Et vu que le set était à combien? 2,49€, un truc comme ça. Je me suis dit, bah, autant le prendre en entier. C'était ça que j'avais besoin, donc bah, vu qu'il était à l'intérieur, je l'ai pris. Puis, il y a plein d'autres trucs, donc je pense que bah, un peu plus tard dans la journée, je ferai ça. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, je suis trop contente. J'ai trouvé ce petit rouleau, vous savez, c'est avec la pierre de jade. Et ça, j'ai vu pas mal de personnes en parler sur les réseaux sociaux. Donc, bah, je me suis dit que j'allais le tester pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas ça. En fait, ça propose pas mal de choses. Enfin, en tout cas, il y a des effets assez positifs sur la peau. Donc, ça atténue les cernes sous les yeux, ça détend, ça donne un éclat naturel, ça stimule la circulation et l'oxygène du sang, donc ça a un effet aussi anti-rides sur le visage, ça améliore l'élasticité de la peau, ça favorise la pénétration des crèmes, huiles et sérums pour un meilleur résultat. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, pour vraiment faire bien pénétrer bah, ma crème. Voilà. Ah ouais, quand même, il est de bonne qualité. Enfin, je l'ai pas encore touché, mais il est assez lourd. Donc voilà, il est dans un petit sachet comme ça. Attendez, je vais l'ouvrir. Il est joli. Donc voilà comment il se présente. C'est ça? C'est quoi ça? C'est pour faire pénétrer bah, tes crèmes, etc. sur le visage. Non, ça c'est pour sous les yeux, ça. Comme ça? Ouais. C'est frais, hein? Ouais. Du cuir? Ouais. Petit massage? Ouais, c'est ça. Donc là, il y a le gros rouleau pour bah, tout ce qui est visage. Et par contre, là, c'est sous les yeux. Voilà. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé ça. En plus, il était pas cher. Il était à moins de 3 €. Ok, tu fais demi. T'as vu ça? C'est ce que j'ai dit, je crois. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai l'impression qu'il est 18 h. Ouais, t'as vu ouf, hein. Bref, Ayoub s'est couché à 5 h du matin, de 16 h, donc hier jusqu'à 5 h du matin, il était sur l'ordinateur et là il s'est levé il y a à peine 1 h. Voilà, t'es fatigué là. Bah ouais. J'ai trop mal aux yeux. En fait, il a bossé de nuit. Voilà, bref. Et j'ai pris aussi ça sent super bon, donc je vais mettre ça dans les toilettes. J'aime trop cette odeur, donc c'est l'odeur au jasmin. Ça sent tellement bon. Et ensuite j'ai acheté cette crème, ma mère l'a achetée et elle me l'a fait sentir et j'ai trouvé que l'odeur était magnifique. C'est un gel en fait à base de bave d'escargot, si je dis pas de bêtises. Et enfin, il y a de l'escargot, mais est-ce que c'est de la bave d'escargot? Je sais pas. Moi je me souviens que j'avais acheté une crème à base de bave d'escargot, très chère, peut-être à 80 €, un truc comme ça, même plus. Il y a quelques années de ça, quand j'avais plein de taches en fait au niveau de ma peau, j'avais aussi pas mal de micro-kystes et je me suis renseignée un petit peu sur les crèmes qui avaient une efficacité sur tout ce qui était micro-kystes, taches, pores dilatés, etc. Et la bave d'escargot est vraiment pas mal. Donc bah, j'ai acheté celle-ci, elle est sous forme de gel, voilà, comme vous pouvez voir, et elle sent trop trop bon. Mais vraiment hyper bon, et donc ça c'est super bien, c'est hyper frais, elle est vraiment très agréable cette crème là. Donc voilà, j'utiliserai ça avec ça. Donc j'attends quand même de terminer ma crème de chez Emma, et dès que je l'ai terminée, j'attaquerai ce produit là pour m'hydrater la peau le soir et le matin.
Donc voilà pour mes petits achats de chez Action. Bon, alors place au goûter, je sais pas si ça filme. Si ça filme, là on a un petit peu faim. Donc moi, je vais me faire un bowl cake. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois que si. Donc je vais mettre une demi-banane. Et je crois même que je vais mettre une banane entière parce que j'ai pas de flocons d'avoine. Je vais mettre des pépites de chocolat, un œuf et je vais mettre ça au micro-ondes. Et Ayoub, ça va être du saumon pour lui. Franchement, la recette d'Ayoub, elle est simple, mais elle est originale. J'aurais jamais pensé à faire en fait ce qu'il va faire. Il va faire une omelette au saumon et les tomates, tu vas les rajouter dedans. Comme ça, elle reste un peu fraîche. Ah ouais, bien joué. T'as vu ça? Et finalement, je pense que les tomates, je vais pas les mettre dedans. Ah ouais, ouais? Pourquoi? Je vais les laisser sur le côté. Tiens, enlève celui-ci. Ouais. Je vais les laisser sur le côté, histoire que j'ai un petit truc frais à côté. Ouais, j'avoue. Et je vais rajouter comment ça s'appelle Moi, je l'aurais laissé que comme ça. Moi, je vais en rajouter un peu ça. Ça rajoute du goût, mais je vais le mettre directement à la poêle. D'accord, ok. Bon, et puis moi, bah écoutez, je pense que c'est bon au niveau de la texture. Donc là, j'ai mis de l'estragon, du poivre et des herbes de Provence. Je vais rajouter un petit peu de sel. Donc là, je suis en train de faire revenir un petit peu de poireau. Quand les poireaux sont cuits, je vais directement les rajouter là-dedans. Donc là. Voilà ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. C'est brûlant. Ça fait des chiffons. Voilà. T'es pas jolie. Non, mais il me fallait des flocons d'avoine pour que ce soit vraiment réussi. Ça a l'air pas mal. Ouais, non, mais c'est bon. Je vais goûter. Mais tu sais, c'est pas trop chaud là? Si, je pense, mais je vais. Attends un peu. Non, t'inquiète. Le matin, quand tu manges ça, ça cale de fou, hein. Ouais, mais c'est au micro-ondes. Ouais. Ayoub n'aime pas quand on utilise le micro-ondes. On l'utilise rarement, d'ailleurs. Bref. Goûte. Non, non, merci. C'est vraiment... Non, non, j'ai pas envie de sucré. C'est vrai? Ouais. Mais est-ce que ça te tente, là, comme ouais, ça me tente avec le chocolat, tout ça. Est-ce que j'arrive à la retourner ou pas? Non. Sérieux? Non, c'est pas encore assez cuit, en haut. T'es sûr? Certaine. Attends, je vais regarder. Ouais, pas encore. Non, ça va. Ça va se découper. Attends, j'essaie de faire comme ça sur les côtés. Tu en es pas mal, hein? Pas mal, hein? Il a une belle tête, ouais. Chef. Chef Ayoub. Chef, ouais. Baby, baby, baby. Ah ouais, t'es même pas venu demander mon repas. Moi j'ai pas très confiance à Ayoub. Non. Ah si, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça y est, faut pas trop la laisser trop longtemps de l'autre côté. Là. Une seconde. Voilà. Voilà. Il est pas mal ton goûter, je valide. Vous, vous êtes plus la team salée, là, genre un goûter, voilà, comme Ayoub vient de faire, ou plus un goûter salé, comme je viens de faire. Dites-moi en commentaire. Mais je vous avoue qu'il est vraiment pas mal son goûter. Pas mal, hein. Ouais. Voilà. Même le matin, ça, au petit déjeuner, ça peut être pas mal. Ça va glisser. Et d'ailleurs, ce qu'il vient de mettre au-dessus, c'est du cumin. Voilà. Ayoub a rajouté aussi un avocat. Voilà. Tu peux mettre de l'huile d'olive, Ayoub, par-dessus. Ouais, après. Vraiment, la base, c'est le chikiri qui va à côté, là. Avec un petit verre d'ateil. Ah, là. Et là, ça y est. Je vais le faire, là. Tu vas faire le thé, là? Ah, oui. Ok. Bon, là, on est chez Naruto, parce que il y avait des pièces qui allaient pas, donc on s'est fait rembourser et on va prendre autre chose.
Donc je vous montrerai ce que j'ai pris là, on regarde. J'aimerais bien prendre un dégivrant, je sais pas si ça s'appelle comme ça. J'ai pris ce dégivrant donc qui fait 600 ml, donc ça c'est bien. Et puis Ayoub, on montre ce qu'on a pris. Et puis on a pris ah, t'es beau comme ça. On a pris de lave-glace, voilà. Bon, petit tour express à Action, ouais. N'est-ce pas? T'as besoin de quoi d'ailleurs? J'ai juste besoin de câble pour charger le téléphone. Ok, d'accord. Bon, bah let's go, on y va. Bon, on est parti donc, comme on vous a dit, à Action. On est passé aussi faire le plein de ma voiture. Là, Ayoub va mettre du lave-glace, voilà, dans la voiture. Et puis, je vous montrerai ce qu'on a pris tout à l'heure à Action. On était parti juste pour prendre les câbles qu'Ayoub voulait, mais on a fini avec autre chose. Comment? Oui, bien sûr. Il faut que j'aille... tenir la lumière. Bon, ça y est, on est rentré de chez Action et donc Ayoub a pris ça, donc c'est un chargeur USB pour la voiture. Ensuite, grâce à l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire, elle m'a dit que bah il y avait je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais vous savez, c'est une bâche anti-givre. Bah je crois que ça s'appelle comme ça. Ah bah c'est ça, bah écoutez c'est ça, bâche anti-givre, voilà, ça c'est pas mal à mettre dans la voiture quand je sais que je sors super tôt le matin. Ensuite j'ai pris ça, donc c'est un gant, pour gratter la voiture au cas où il me reste plus de produits anti-givre que j'ai acheté tout à l'heure chez Naruto. Ayoub en a pris aussi une pour sa voiture, mais bon après Ayoub bâche sa voiture tous les soirs, donc... Ouais, il l'a pris quand même au cas où. Ayoub a pris un câble de chargeur et en plus il est pas mal celui-ci pour sa voiture. Parce que t'as pour Samsung et pour iPhone. Ensuite Ayoub a pris ça m'a fait rire parce que on était en caisse. Il m'a dit attends j'ai oublié quelque chose. Donc il est revenu avec ça. Et j'ai dit ah bon t'as pris un réveil? Bah pourquoi? Il m'a dit mais c'est pas un réveil comme les autres. C'est un réveil waterproof que tu peux mettre dans la douche. Voilà parce que Ayoub le matin il se lève quand même assez tôt. Et il aime bien savoir quelle heure il est quand il est sous la douche. Donc en gros t'as une ventouse derrière et puis après oula, je vais éviter de le casser, t'as l'écran qui t'affiche l'horaire, qui t'affiche aussi le degré et puis ça je sais pas ce que c'est. Bref voilà, en gros c'est un réveil que tu peux mettre dans ta douche. Ensuite donc il a pris toujours des câbles chargeurs parce que de base on était parti pour ça. J'ai pris des M&M's. Ensuite, il a pris un petit support smartphone. Et pour terminer, attendez, parce qu'en fait, le truc qui manque, il est de l'autre côté, Ayoub est chez mes parents. Donc, il le ramènera quand il viendra. En attendant, je fais une petite pause M&M's. C'est trop bon, ça. Regardez-moi, cacahuète. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai lavé leur verre. T'as pas d'eau, là? Oui parce que j'ai mes chats, oulala je cadrais pas du tout, qui boit dans un verre, voilà. Voilà tout est normal chez nous, alors pour ceux peut-être qui vont être surpris, sachez que j'ai beau leur mettre de l'eau dans une gamelle, mais que ce soit grisouille ou cacahuète, ils boivent tout le temps dans un verre, voilà. Ils veulent pas boire dans leur gamelle. Pour finir le haul Jiffy, pas du tout Jiffy, la meuf a trop l'habitude de partir chez Jiffy. Le haul Action, on a pris ça, c'est un chauffage électrique pour l'Espagne, parce que la maman d'Ayoub va partir demain avec le frère d'Ayoub en Espagne. Il fait pas de façon froid à la maison parce que en Espagne il fait pas très très froid donc ça va. Mais bon on sait jamais donc on leur a acheté ça. Donc là le frère d'Ayoub va pas tarder à arriver parce qu'il faut que je prépare les clés. Plus grand chose de très intéressant à vous montrer mais j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis si c'est le cas tout simplement n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, le petit commentaire qui va avec. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Gros bisous.